Si vous avez quelque chose à dire, Daniel, allez-y. Hein. Je me concentre sur la conduite. C'est bien. Qu'est-ce qu'il va nous donner du courant après? La circulation est fortement perturbée hier dans l'intérieur de l'île en raison d'importantes chutes de neige. Les principaux axes routiers ont été fermés à la circulation durant plusieurs heures et certains automobilistes ont passé la journée dans leur véhicule, voire la nuit, comme cet agriculteur de Mont-Rosaille, témoignage dans ce journal. Le premier examen aujourd'hui pour l'exécutif de Corse depuis les élections de mars 2004. C'est le projet de budget primitif qui sera présenté lors de la session qui s'ouvre aujourd'hui. Enfin, c'est dans un parc des Princes vide qui se jouera la rencontre samedi entre PSG et Bastia. Le club parisien s'est vu infliger un match à huis clos, une décision confirmée hier par le comité national olympique et sportif. Le journal tout de suite avec Corinne Saillant, bonjour. Bonjour, après les problèmes de gaz à Ajaccio, ceux liés à la production d'électricité en Corse, une demande trop importante, EDF est de nouveau confronté à la crise sur la pollution engendrée par la centrale du Bas. Mon coco, on enregistre là. Sur Ajaccio, c'est un peu enfin, là-bas, c'est un peu sombre là-haut. 518 millions avec une augmentation de 8% par rapport à l'année dernière. La priorité est d'empêcher la tenue du conseil d'administration d'Arc, la succession par le l'exécutif, la prise en main du dossier agricole et des solutions concrètes à leurs problèmes. Voilà, vous allez pouvoir le doubler tranquillement, de toute façon. Le comité national olympique et sportif a confirmé hier soir la décision de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football, infligeant oui, les chaînes, hein. Un match à huis clos. Ayant épuisé tous les recours dans les juridictions sportives, le PSG, sanctionné après des incidents lors de la rencontre face à Metz le 18 décembre dernier, peut désormais se tourner vers le tribunal administratif. Néanmoins, la démarche ne sera pas sous un toujours 5 à 6 degrés en dessous des normales saisonnières. Dans l'intérieur, mais aussi plutôt glacial ou levé de 3 degrés au meilleur possible.
avec Valérie Franceschi. La suite de nos programmes, à savoir le forum, vous pouvez nous appeler bien sûr au 04 95 32 22 22. Le forum au débat tout de suite après le groupe Média Médiatique. Radio Cause, on a repris notre vitesse de croisière, hein. Et encore, je suis... Voilà, sur le retour, direction le col. Là, qu'ils ont dû faire du ski et de la neige. C'est magnifique, les arbres, encore. Ouais, c'est joli, ça se tosse, ah ouais. C'est plus beau que hier. C'est un mélange de givre, ouais, et de neige. Avec le fond de brouillard, c'est beau aussi. Ça glisse un peu. N'essayez pas de nous épater maintenant. Non, c'est pour relâcher la main. Oui, non, mais je vous signale qu'on enregistre.